Hello tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour le tag No Cut Tag. Alors que je vous explique un petit peu le concept et un petit peu la situation. Là nous sommes, quelle jour on est ? Jeudi soir, il est 21h passé, donc je suis rentrée du travail etc. Je viens de manger, je regardais quelques vidéos sur YouTube et j'ai vu ce tag donc sur la chaîne de Oria. Et je l'ai déjà vu il y a quelques jours sur la chaîne de Noémie, donc ma chérie Noémie, qui m'a d'ailleurs taguée. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous le faire là tout de suite maintenant, j'en avais envie. D'autant plus qu'il y a quelques semaines sur ma page Facebook, il y en a certaines qui m'ont lancé le défi de vous faire une vidéo un petit peu à la One Again, comme on dit, en pyjama. Et notamment avec ma veste, comme j'appelle, rose poufias. Donc voilà les filles, si vous passez par là... Eh bien, c'est chose faite. Donc le concept de ce tag, du moins le délire un peu de ce tag, c'est de faire une vidéo, de répondre aux questions sans faire aucun montage. Donc je ne couperai absolument rien dans cette vidéo. Et pour répondre, j'ai donc trois jokers que je peux utiliser à n'importe quelle question. Donc il y a, je ne sais plus, 20 questions et on va commencer tout de suite. Alors, ton logiciel de montage. Alors moi je n'ai pas de logiciel de montage simplement parce que je suis... mon ordi est un Chromebook et dans Chromebook en fait on peut pas tout installer. Il y a très peu d'applications qui peuvent fonctionner dessus. Ça marche un peu comme un téléphone Android en fait, comme par exemple Samsung. Vous avez une boutique d'applications et j'ai pas encore trouvé un logiciel de montage qui me plaît. Donc en fait je fais mes montages directement sur YouTube puisqu'il y a une petite plateforme de montage sur YouTube pour celles qui ne savaient pas. Je l'ai déjà dit plusieurs fois mais on me demande souvent. Donc voilà, moi je fais mes montages directement avec YouTube puisque je fais des montages tout ce qu'il y a de plus basique. Ça me convient en tout cas pour le moment. Même si j'aimerais bien avoir un logiciel de montage, bon ça viendra certainement mais voilà, pour le moment c'est comme ça. Question 2, comment tu t'appelles? Bon je pense que le nom de ma chaîne le traduit bien, je m'appelle Marion. Quel âge as-tu? Je vais avoir 25 ans dans 20 jours. Ton youtubeur préféré? Alors ça c'est hyper compliqué parce qu'il y a beaucoup de youtubeuses en l'occurrence que j'aime beaucoup. Il y en a plein. Je vais sortir un joker parce que je ne saurais pas me décider. Dans quelle région habites-tu? J'habite en Aquitaine. Quel pouvoir aimerais-tu avoir? Alors là, je ne vais pas pouvoir couper et ça risque de durer un petit moment. Quel pouvoir est-ce que j'aimerais avoir? Le pouvoir de lire dans les pensées, je pense. Tes origines? Alors moi je suis française, du côté de mon grand-père maternel, j'ai du sang belge. Et du côté de mon grand-père, je sais pas comment vous expliquer. Du côté de mon... du papa, de la maman, de ma mamie. Voyez-vous. J'ai des origines mongoles, qui datent d'il y a très longtemps, bien des générations antérieures, mais qui m'ont laissé ses yeux un peu bridés et ses cils pourris. Ton jeu vidéo préféré? Alors moi je joue très peu aux jeux vidéo, maintenant lorsque j'y joue... à Tomb Raider, tous les Tomb Raider en règle générale, j'en suis dingue. D'ailleurs j'y joue peu parce que la petite anecdote c'est que quand j'y jouais il y a quelques années maintenant, 3-4 ans, mon chéri partait travailler de nuit et lorsqu'il rentrait à la maison j'étais encore devant, donc bon je me suis calmée mais Tomb Raider j'aime beaucoup. As-tu un animal de compagnie? Oui j'ai Tina mais elle est juste ici à mon avis, elle va pas vouloir venir. Tu veux venir? Viens. Tu viens? Non? Non, elle est occupée à se faire la toilette, elle n'a pas du tout envie de bouger. Mais bon, Tina, vous l'avez déjà vu hein, dans plein de vidéos. Question 10, ton acteur préféré? Alors, il faut savoir que moi, je ne retiens jamais les titres des films que je regarde. Je ne retiens non plus jamais les histoires et encore moins le nom des acteurs. Mais je pense que là, de mémoire, l'acteur qui me revient et que je préfère, ça serait certainement Johnny Depp. Notamment pour les Pirates des Caraïbes, Charlie la chocolaterie, etc. Je trouve que c'est un acteur qui a vraiment une empreinte à lui quoi. Enfin je sais pas comment vous dire mais c'est un acteur que j'aime beaucoup. Ta série préférée, sans aucune hésitation étant donné que j'en regarde très peu, c'est Once Upon a Time. J'adore Once Upon a Time.
Ton film préféré? Mon film préféré. Bah, moi, c'est les Disney, hein. Mais je sais pas si c'est considéré comme film. Quel film j'aime bien et je pourrais regarder un film. Mais je crois que ce serait peut-être les Pirates des Caraïbes. Ou non, Harry Potter. Les Harry Potter. Les Harry Potter, je les adore. Je pourrais les regarder tout le temps. Et j'adore tous les Tim Burton, ces ambiances très féeriques, magiques, tout ça. Vraiment, j'adore. Et c'est d'ailleurs un des seuls genres de films que je pourrais aller voir au ciné systématiquement. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui sort, je vais le voir. Je vais le voir immédiatement. Alors que sinon, ciné, moi, je suis pas trop ciné. Bon, bref, je m'égare, encore une fois. Et donc, sans montage, vous allez en bouffer des bêtises, là, ce soir. Ta pire honte? Ma pire honte. Oh, il doit y en avoir, hein. Ma pire honte. Bon, je vais dire Joker, franchement, parce que je me souviens pas d'avoir eu une. J'aimerais bien vous en raconter une, pourtant, je trouve ça marrant, mais. Ma pire honte. Oh, je suis sûre qu'il y en a en plus. Bon, non, tant pis, ça me vient pas. Si je pouvais faire du montage, ça me gênerait pas, je resterais comme ça 30 minutes s'il faut pour trouver quelque chose à vous dire, mais bon, vous allez bien vous faire chier si jamais je m'active pas un peu. Donc non, mais je vais sortir un joker, je suis désolée. Si en bonus, si jamais il y a quelque chose qui me revient, je vous l'écrirai ici. Ta saison préférée, très certainement l'hiver. J'aime beaucoup l'hiver. En fait, j'aime pas la chaleur, donc j'aurais tendance à dire l'hiver. Cela dit, j'aime bien le printemps aussi quand même. Là, par exemple, on commence à avoir quelques belles journées par-ci par-là et j'aime bien. Donc, non, mais je dirais l'hiver quand même. J'aime beaucoup l'hiver, le froid, tout ça. J'aime vraiment beaucoup. Le youtubeur que tu détestes, la youtubeuse que tu détestes, vous allez dire que je le fais exprès, mais j'ai pas de youtubeuse que je déteste. Il y en a que j'aime moins que d'autres, hein, forcément. Il y en a que je regarde pas parce qu'elles me correspondent pas ou parce que bah, leurs vidéos m'intéressent pas particulièrement, mais de là à dire que je déteste, non, quoi. Il y a vraiment personne que je déteste. Je pourrais à la limite, peut-être, si je m'étais pris la tête ou embrouillée avec quelqu'un, je pourrais peut-être vous sortir son nom, mais il n'y en a pas. Donc, bah, je vais dire Joker, hein. Et je crois que c'était le dernier, si je dis pas de bêtises, j'en ai utilisé trois. Ton meilleur ami, donc ta meilleure amie en l'occurrence, je dirais très certainement, j'en ai deux. J'ai vraiment deux bonnes amies qui sont Marion, que vous connaissez, et Marjane, une très bonne amie à moi, avec qui je partage beaucoup de choses, avec qui je suis très proche. Donc, je dirais Marion et Marjane. Je ne saurais pas en choisir plus l'une que l'autre, c'est vraiment mes deux meilleures amies. La marque de ton téléphone, c'est un Samsung Galaxy Note 4. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour retrouver la coque si vous voulez. La personne que tu détestes. Alors là, j'ai plus de joker et il faut absolument un nom. Oh si! Oh, ça va vous paraître hyper chelou. Je sais pas si je peux vous dire ça sans vous choquer. Mais tant pis, de toute façon, j'ai pas le choix. Quelqu'un que je déteste au plus haut point, du moins en ce moment, à qui j'en veux beaucoup et que je déteste, ça va vous choquer, hein, j'en suis sûre, mais je dirais ma mère. Et je m'étalerai pas sur le sujet, c'est pas la peine de me poser des questions en commentaire. Voilà, on a un rapport très conflictuel et depuis toujours. Et plus les années passent et pire c'est, et je pense pouvoir dire qu'à ce stade-là, je suis à un stade où je la déteste. Rien à voir avec des gamineries, oui, elle m'a pas donné d'argent de poche, ou oui, ceci n'a rien à voir. Hein. Mais voilà, j'ai plus de joker, je joue le jeu, donc la personne que je pense que je déteste, c'est ma mère. Mais je m'étalerai pas plus sur le sujet. Le nom de ton premier animal de compagnie, mon tout premier animal de compagnie, je crois que c'était deux chats. On avait eu deux chats, un pour mon petit frère, un pour moi. Ah non, je dis des bêtises.
Le tout premier chat qu'on a eu, c'était un petit chat roux et blanc, qui était pour moi et mon frère, il n'y en avait qu'un, et il s'appelait Figaro. Ouais. Quel âge on avait? Moi, je devais avoir 7 ou 8 ans, et mon frère 2 ans, je pense. Et malheureusement, il s'est fait écraser. Et donc, la 20e question qui sera la dernière, ma date de naissance, bien, je suis née le 24 mars 1990. Donc, c'est pour ça que je vous disais que j'allais avoir 25 ans dans 19 jours, même maintenant. Donc voilà, on en a terminé pour ce tag. Je suis désolée s'il y a eu des gros blancs, je suis désolée si ça vous a paru brouillon, je suis désolée si mes réponses vous les avez trouvées pourries, mais voilà, je trouvais ce tag assez sympa à faire, le no cut tag. Je remercie d'ailleurs ma chérie Noémie encore une fois de m'avoir taguée. Si vous ne connaissez pas la chaîne de Noémie qui est Noémie Makeup Touch, bien n'hésitez pas à aller la voir, sincèrement elle fait de très très belles vidéos et c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Pour ce tag, eh bien, je vais taguer Audrey Marshmallow, Marion Beauté, Karen Outicha, Girly Alex 83, Chouk 1205, excuse-moi Aurore. Je vais taguer Anna Potter, tiens, puisque tu as repris les vidéos, je pense que ça peut être sympa, ce petit tag qui n'est pas trop personnel non plus. Qui est-ce que je peux taguer d'autre? Je vais peut-être pas prendre... je vais peut-être en laisser pour les autres, pour celles qui voudront le faire. Ouais, voilà, je vais m'arrêter là. Si je ne vous ai pas tagué, vous sentez pas offensé, hein, surtout, n'hésitez pas à le faire, même si je vous ai pas tagué d'ailleurs. Et n'hésitez pas à me mettre... à me dire si vous l'avez fait, parce que je serais assez curieuse d'aller le voir. C'est un tag que je trouve vraiment, vraiment sympa. Et en tout cas, moi, qui m'a fait plaisir de le faire. 11 minutes 46, 47 maintenant, bah écoutez, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!